Centre-ville. Allez, on va avoir une superbe vue sur la ville, là, depuis le cable car. And welcome to the show. We have a wonderful one for you today. Jonah Lomu will be here. Kia ora, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue pour de nouvelles échappées belles à la découverte d'Aotearoa. Nous allons partir ensemble visiter l'île de Jade, point de départ Wellington. Vous n'avez pas tout compris, vous avez peut-être besoin d'un décodeur. Sally, tu vas m'aider à traduire. Bien sûr. Alors, kia ora, ça veut dire bonjour en maori, d'accord? Aotearoa, ça veut dire la Nouvelle-Zélande. En maori toujours. En maori toujours. C'est le pays du long nuage blanc. Oui, exactement. Et nous, on est à Wellington, la capitale, donc la ville plus au sud de l'île du Nord. D'accord. Comment ça va? Bien, merci. Bonjour Sarah. Alors, Sophie. Je te présente Sophie, ma c'est copine. C'est un plaisir de vous rencontrer. Bah, moi aussi. Et bienvenue à Wellington et Nouvelle-Zélande et les studios. Tu arrives ici à quelle heure? À 6h30 chaque matin. Je commence. Oh, it's early. La chaise ici. Dans ton fauteuil. We make up for and ici, je me maquille pendant une heure. Ce n'est pas facile d'avoir l'air sublime. Moi, ça dure une heure, alors que mon co-présentateur ne met que 5 minutes. Et est-ce qu'il y a des émissions ou des chaînes de télévision en maori? Oui, oui. In fact, there's a whole. En fait, il y a une chaîne entièrement maori qui a beaucoup de succès. Elle a été créée par le gouvernement et le but était de promouvoir la langue maori. C'est une vraie réussite. Les gens font l'effort de prononcer le nom des lieux maori correctement et de comprendre les basiques maori. La langue et la culture maori sont devenues plus appréciées et respectées parce qu'on est très isolés. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur la vie ici? En fait, il y a un très fort sentiment patriotique. Mais dans le même temps, on est assez relax, car on vit dans un très beau pays. C'est un pays vraiment sûr par rapport à d'autres. Et en plus, c'est un endroit merveilleux pour élever des enfants. Wellington s'affiche comme la capitale culturelle du pays. Œuvres d'art en plein air, musées prestigieux et galeries. Autant de lieux qui attirent les artistes de tous horizons venus profiter de son énergie créative. Wellington est un lieu fantastique pour les artistes. La plupart des habitants y aiment l'art. Ils soutiennent vraiment les artistes locaux. Et ils leur sont très fidèles. Ce n'est pas un hasard si Shona Moller a décidé d'installer sa galerie au centre de Wellington. C'est le cœur culturel de la cité, un quartier fréquenté par les touristes. Ici, vous pouvez voir ce grand porohita, ce grand cercle. Et vous pouvez voir aussi une référence à l'Angleterre. La plupart des attractions culturelles sont gratuites. Du coup, c'est vraiment très intéressant pour nous. Cela nous permet de découvrir la culture néo-zélandaise. Le bouillonnement culturel de Wellington explose dans les œuvres de Shona. L'artiste puise dans ses origines métissées, comme beaucoup de néo-zélandais. Je suis descendante de Maori et d'anglais.
Dans mes peintures, je combine les deux cultures. J'utilise par exemple le plan de métro de Londres et je change les noms de stations avec des noms de lieux en maori. La créativité de Wellington a surtout fait le tour du monde grâce à son cinéma. L'un des plus célèbres artistes de la ville s'appelle Peter Jackson. Il y a installé ses studios et en a fait un mini-Hollywood propulsant Wellington au rang des capitales incontournables du 7e art. Les fans du Seigneur des Anneaux y viennent en pèlerinage. Je suis venue en Nouvelle-Zélande parce que j'adore les films du Seigneur des Anneaux. J'ai vraiment trouvé les décors naturels incroyables. Ça m'a donné envie. Et puis c'est ici, dans ces studios, que le film a été réalisé. James Cameron a fait Avatar ici. Et puis Steven Spielberg a tourné son Tintin. Avant Le Seigneur des Anneaux, la Nouvelle-Zélande a produit quelques films comme La Leçon de Piano, mais ça restait une petite industrie, et la plupart des films étaient destinés à un marché local. Grâce à Peter Jackson et au succès de sa trilogie, de nombreux projets internationaux viennent se tourner ici. Certains comparent aujourd'hui Wellington à un petit San Francisco. La Nouvelle-Zélande n'est plus seulement connue pour ses paysages, elle s'illustre aussi par son rayonnement culturel. Quand on voyage en Nouvelle-Zélande, on vient surtout pour les grands espaces, pas forcément pour les villes. Mais malgré tout, Wellington vaut le détour. Hein. C'est la capitale, mais pourtant, c'est pas la plus grande ville de Nouvelle-Zélande. Non, 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 c'est Auckland, de loin, en fait. Ouais. Mais Auckland, avant, à l'origine, c'était la capitale. Mm-hmm. Mais bon, Wellington est beaucoup plus centré par rapport à l'île du Nord, l'île du Sud. On prend un café ? Ouais. Oui. On s'installe là, ça te va ? Ah, oui. Parfait. Alors, voyons le programme. On prend le ferry. On va rouler jusqu'à Abel Tasman National Park, pas ici. L'un des plus beaux parcs de la Nouvelle-Zélande. Et puis après, on va couper sur la côte ouest. On va chercher quelques moutons parce que c'est quand même le pays des moutons. Il paraît qu'il y a plus de moutons que d'habitants en Nouvelle-Zélande. Quatre fois plus. Donc on va en voir des moutons. Normalement, voilà. Si tout va bien, on devrait en voir. Et puis après, on va essayer de revoir les glaciers. Il y en a deux qui sont fabuleux. Ouais. Alors celui-là, oui. Franz Josef, c'est le glacier qu'on devrait Joseph voir. Et Fox. Abricots, j'en prends pour nous deux. Et les abricots, les abricots néo-zélandais, j'ai remarqué. Mais attends, mais je n'avais pas vu qu'il y avait des abricots néo-zélandais, mais tu ne me dis rien. Ça a l'air meilleur quand même. Bah, écoute, on va en prendre quelques-uns. Ils sont magnifiques. Voilà. Ah, ouais, c'est la région. Qu'est-ce qu'on prend sinon Des petites figues, oui. Ça te va? Pourquoi pas. Et ça, c'est cranberries. Ouais. Ouais, tu aimes ça? Ouais. Ça va aller, non? C'est super, là. Ouais, super. Ah ouais, regarde, il reste quelques scones. On prend celui-là et celui-là, là? Bah, pourquoi pas. Voilà. Ouais. Et si on veut vraiment le faire bien, c'est avec la confiture, la crème fraîche. On va s'en passer parce que qu'on garde la ligne. Il faut de la crème solaire. Très bien. Parce qu'il y a un trou dans la couche d'ozone, justement. Donc il faut toujours se protéger quand on sort. Bon, bah alors écoute, indice 50, comme 50, ça on est sûr. C'est très bien. Hein? Voilà, parfait. Vous passez une bonne journée? Yeah, thank you. And you? Cool. Ouais, ça va. C'est la fin de mon service. Il me tarde de rentrer à la maison. Ouais, ça va. Vous voulez des sacs plastiques? Oui, merci. Thank you. Bye, have a nice day. Bye. Okay, bye. Donc t'as réservé? Oui.
camping-car, c'est une super idée. J'espère que c'est un comme ça, là. Ouais. Ben voilà, parce que ça fait maison. C'est ça, c'est sûr. C'est génial. Hello. Hello. Comment ça va? Bien, merci. On a réservé un camping-car. À quel nom? Green. Ah, c'est pas ça? Ah, c'est ça? C'est ce one here. Mais en fait, on va faire un déménagement, on part pas en camping-car. Yeah. Tu m'avais pas dit, faut qu'on déménage ta maison, c'est ça? Il y a des lits dedans. Tu crois qu'on va pouvoir dormir quand même? Ah bah oui, quand même. Bon, c'est équipé. Il y a tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a notre fameuse cuisine? Bah, il y a même un frigo, il y a le plus important, il y a la cuisine. Voilà, ça ira. Voilà. Alors, Sophie, tu crois que tu vas faire des rayures? Je vais les marquer, déjà. Oui, marque-les tout de suite, comme ça sera fait. Je pense que ça sera du côté gauche. D'accord. Oui, alors maintenant, on en a pour quoi? 3 heures en bateau? 3 heures et demie. 3 heures et demie. Pas plus. C'est déjà pas mal. On va boire un petit coup. Ok. Tu veux monter encore un peu? Hello. Hello. Bonjour. Oh, des moutons. Ah, bah oui, eux aussi, ils sont du voyage. Ouais. C'est des moutons du nord qui s'expatrient vers le sud. Oui. Regarde sur la carte le trajet qu'on fait. Voilà le parcours qu'on va faire depuis Wellington, depuis Port Nicholson. Ah, c'est ça. On quitte la baie de Wellington. Oui. On monte un tout petit peu vers le nord-ouest et puis après on rentre dans les Sounds. Comment tu dis? Les Sounds. Bah, c'est comme des fjords, mais c'est pas tout à fait ça. Mm-hmm. Parce que les fjords sont creusés par des glaciers. Il y a des millions d'années, bien sûr. Et ici, en fait, c'est l'eau qui est montée pour couvrir la terre. D'accord, ok. Ouais. Les Marlboro Sounds, un vaste réseau de baies et d'îles inaccessibles et isolées. Quand ils découvrent cet endroit unique, Mike et Antonia ont le coup de foudre. Ils s'installent sur des terres encore vierges avec leurs trois enfants. C'était en 1993. Mike est fier de ce qu'il a réussi à entreprendre et montre avec plaisir son petit paradis. Là-bas, ça descend jusqu'à la mer. Et puis, il y a une première vallée et une deuxième. Et ça remonte jusqu'en haut de l'île, sur la colline. C'est bien plus qu'un rêve qui devient réalité. Être propriétaire d'un terrain qui donne sur la mer et pouvoir installer sa famille pour des générations, c'est extraordinaire pour moi, qui suis juste un simple ouvrier. On voulait vivre dans un lieu comme celui-là, près de la mer, élever les enfants ici. C'est ce qu'il y a de mieux pour eux. Ils ont de l'espace, des animaux. Ils peuvent grandir au milieu de la nature. Si Mike et Antonia se sont installés si près de la mer, ce n'est pas par hasard. Le couple cherchait un lieu pour commencer une aventure un peu particulière, celle de la culture d'ormeaux. Ils sont à la tête d'une nursery de plusieurs milliers de bébés mollusques qui baignent dans des tanks d'eau salée. Deux fois par jour, Mike et Antonia les nourrissent et leur prodiguent les soins nécessaires à leur croissance. Celles-là sont prêtes à être livrées. Elles ont 8 mois. Dans les années 60, en Californie, je plongeais déjà pour pêcher des ormeaux. Et mon rêve, c'était de devenir perliculteur. C'est une vraie passion, presque une religion.
Mike et Antonia revendent la plupart des produits de leur élevage. Mais ils gardent aussi certains coquillages dans l'espoir de développer une nouvelle activité, la perliculture. L'ormeau a pour surnom opale de mer à cause de ses couleurs uniques. Les Maoris l'utilisaient pour fabriquer leurs parures. Ici, ce sont les ormeaux, quand ils sont plus âgés. À cette étape, on met des perles dedans et on les laisse pendant 3 ans. L'ormeau fait son travail et recouvre la perle de couches de nacre, et ça fait une perle. Quand Mike et Antonia se sont installés sur leurs 350 hectares de terrain, il n'y avait rien. Peu à peu, ils ont construit leur maison, ont planté des arbres fruitiers et acheté du bétail. C'est Sarah, l'aînée de la famille, qui s'en occupe. J'aime vraiment vivre ici. Tout le monde n'a pas la chance de vivre dans un endroit comme celui-là, aussi magnifique. Ce que je préfère, c'est la traite, parce qu'elle adore ça. Quand je serai plus vieille, je voudrais faire comme mes parents, travailler à la ferme. Une vie de rêve, mais pas sans contraintes. La famille Radon vit en autarcie. Ancienne station baleinière jusque dans les années 60, leur île compte aujourd'hui moins de 40 habitants et se trouve à 1h30 de bateau de toute civilisation. Ils se rendent à l'épicerie la plus proche une fois par mois et le reste du temps, ils pêchent. Les Marlborough Sounds bénéficient d'une situation géographique unique et protégée. Le terrain de jeu est idéal pour ces plongeurs aguerris. Le butterfish, c'est un des meilleurs poissons plats du coin. Et là, c'est un super spot. Allez, je vais en chercher. Oh, belle prise! C'était super! Il y avait plein de poissons. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu autant. Regarde, c'est un vrai monstre. C'est le paradis. On a acheté cet endroit et on ne l'a jamais regretté. Les premières années, il a fallu trouver nos marques, trouver un bon fonctionnement. Mais finalement, ça a marché merveilleusement bien. Mais en même temps, je n'ai toujours pas conduit, donc j'ai rien à dire. Hello. Hi. Hi. Good. On voudrait savoir s'il y a un bateau pour faire une balade dans les Sounds aujourd'hui. Oui, on peut vous emmener voir les otaries ici et vous déposer sur la plage pour faire une petite balade avant le retour. C'est super. Un bateau part dans 5 minutes, alors si vous êtes prête. On en profite, alors on y va maintenant. On prend le bateau là. Bonne journée, profitez-en bien. Au revoir. Thank you. Thank you very much. Cheers. Hello. Hello. Hi. Hello.
Est-ce que vous appréciez la balade dans le parc à Belle Tasman? C'est magnifique. Vraiment, je suis pas déçue du voyage, comme on dit. Vous venez souvent ici? Oui, je viens tous les jours. Je travaille ici. À Belle Tasman, c'était qui exactement? Abel Tasman était un explorateur hollandais qui est venu en Nouvelle-Zélande vers 1642. La création du parc commémore l'arrivée d'Abel Tasman en Nouvelle-Zélande. Il a pour objectif de préserver l'endroit où il est venu. Regardez tout en haut. Ah oui, c'est un bébé. Ça ressemble vraiment à un crochet. Oui, c'est ça. Bon, allez, enlevez votre tenue de camouflage, les otaries, c'est pas drôle. Regarde, là, il y a un gros mâle. Regarde, tu vois, là, sur le rocher, ah, regarde, oui, sur la gauche. Il est heureux, lui, hein. Il a la belle vie. Heureux comme un papa. On dit heureux comme un otari. Regarde en face de nous. Et ça va super vite, hein. Est-ce que tu as des choses à nous dire sur ces otaries? Pourquoi elles sont ici particulièrement? Les colonies d'otaries viennent ici pour se reproduire. Est-ce que c'est une espèce protégée? Parce que les Maoris avaient l'habitude de les chasser, et les colons européens ensuite. Oui, c'est exact. Les Européens en ont fait une industrie à leur arrivée. Ça a été une réussite pour eux, mais ça a failli mener à l'extinction de l'espèce. Mais depuis qu'elles sont protégées, il y a environ 50 à 60 000 otaries autour des côtes néo-zélandaises. Aujourd'hui, il faudrait être malchanceux pour ne pas voir d'otaries dans le parc à Belle Tasman. Et Stu, elles mangent des poissons, mais mangent-elles les moules aussi? Non, 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 elles ne mangent pas de moules. Ce que tu entends, c'est le chant des oiseaux, typique des bushs en Nouvelle-Zélande. Tu l'entends partout quand tu es dans le bush. Sophie. Voici l'emblème de la Nouvelle-Zélande. La fougère argentée. Tu vois, vert au-dessus, argenté en dessous. Ça, on le voit sur les maillots. Des All Blacks. Ouais. C'est toujours dur de parler d'eux. Ça fait toujours quelque chose au cœur. C'est toujours difficile. Ce qui est très beau aussi, ce sont les jeunes pousses au milieu, on dirait des sculptures maoris. Ouais, c'est le corps. On le voit sur les sculptures déjà. Là. Oh, c'est beau, Sally. T'as de la chance, Stu. Tu vis dans un endroit magnifique. Oui, on a de la chance en Nouvelle-Zélande. Un tiers du pays est constitué de parcs nationaux et de réserves. Si tu regardes bien, tu peux voir des arbres venus d'Europe, du Canada et d'Amérique du Sud. Petit à petit, nous allons retirer ces arbres. Cela fait partie de mon travail. S'assurer qu'un jour, peut-être, la forêt revienne à son état d'origine. C'est un rouge-gorge, un oiseau magnifique. Il est là, quelque part. On va aller voir. Jerry ne les voit pas, mais il les entend et leur parle depuis toujours. Pas besoin d'artifice. Pour lui, il suffit d'écouter le chant mélodieux des oiseaux pour les imiter. À certaines périodes de l'année, ils surveillent de près leur territoire. Au moindre son bizarre, ils se rapprochent pour voir ce que c'est.
Mon père était botaniste. Quand j'étais jeune, il nous emmenait, moi et le reste de ma famille, en forêt, dès qu'il le pouvait. Il nous a appris les noms, les différentes espèces d'arbres et d'oiseaux. Ça ne s'oublie pas. Et à chaque fois que je retourne en forêt, je me sens chez moi. Les paysages sauvages de Nouvelle-Zélande ont enfanté des amoureux de la nature. Ils sont nombreux à murmurer à l'oreille de la terre. Hugh est de ceux-là. Depuis plus de 40 ans, il refuse d'utiliser les moyens de communication modernes. Il n'a jamais touché un téléphone portable et encore moins une voiture. J'ai décidé il y a plusieurs années que je ne voyagerai qu'avec un vélo ou à pied. Et je ne l'ai jamais regretté. Cela me plaît vraiment et je le ferai même si je n'étais pas un écolo convaincu parce que c'est bon pour ma santé. Les heures que je passe sur mon vélo ne sont pas du temps perdu, je m'entretiens. Je vois des choses, je rencontre des gens. C'est l'idéal, vraiment. Botaniste à la retraite, Hugh a voué sa vie à protéger la nature néo-zélandaise. Des terres sauvages qui, avant l'arrivée des humains, étaient à 80% recouverts de forêts. Les deux vagues d'implantations humaines, européennes et maoris, ont contribué à détruire les forêts. Aujourd'hui, il reste moins de 1% de l'ancienne forêt. Il y a 24 ans, Hugh rachète près de chez lui des morceaux de terres agricoles inexploitables. Il décide d'en faire une réserve de forêt endémique. Depuis, la nature a fait son travail et Hugh protège à sa manière, aidé par des bénévoles et quelques donations, les 1250 hectares de forêt qui ont repoussé. On dépend complètement de la nature. On est complètement lié aux différents écosystèmes. Mais on les abîme un peu partout dans le monde. Je pense juste que c'est une bonne chose dans ma vie de m'assurer que dans ma partie du monde, sur la péninsule de Banks, une partie des écosystèmes primaires sont restaurés. C'est une vraie richesse, avec sa faune et sa flore très variées. Quand les nuages se déchirent en écharpes de brume, la magie de l'ancien monde est encore perceptible. Pour Hugh, comme pour Jerry, sauver leur jardin d'Éden est devenu un vrai leitmotiv. Jerry travaille avec les rangers des parcs nationaux. Leur objectif, protéger la faune et la flore de Nouvelle-Zélande. Une fois qu'on aura déposé nos deux chargements là, je voudrais qu'on aille sur un autre site, celui de Tafifi. Quand j'étais jeune, je travaillais pour les parcs nationaux. Puis j'ai décidé de changer de métier tout en gardant ce lien avec la protection de l'environnement. Pour ça, le métier de pilote, c'est parfait. Le vieil adage qui dit qu'il faut protéger la nature pour le futur est plus pertinent que jamais. Du fait de son isolement, la Nouvelle-Zélande abrite de nombreuses espèces endémiques. Une terre unique, mais aussi fragile. L'exploitation agricole et les prédateurs menacent cet équilibre naturel. On est en train de survoler une forêt avec plusieurs variétés de pins. Pendant longtemps, cet endroit a été une base importante de l'industrie forestière. Mais aujourd'hui, c'est fini. Ça change doucement un peu partout dans le pays. Et là-bas, c'est la zone protégée de Wirinaki. C'est là qu'on va. Il ne reste aujourd'hui que quelques poches isolées de forêts primaires, comme Wirinaki. La zone a été préservée grâce à sa position géographique, qui la rendait très difficile d'accès. La faune et la flore, ici, sont telles qu'elles ont toujours été, inchangées. Ici, vous avez un magnifique exemple d'une plante qui deviendra un arbre immense. Pour l'instant, elle ressemble à une petite araignée.
J'aime la nature, son côté sauvage et son silence. Si tu ouvres tes yeux, tu apprends toujours quelque chose de nouveau. La nature te livre ses secrets et ça te fait réaliser à quel point toute forme de vie est précieuse. La beauté des paysages néo-zélandais emporte toujours l'imagination de Jerry et de Hugh. Une nature qui, alors que le pays n'échappe pas totalement aux changements de mode de vie et aux dépenses d'énergie croissantes, mérite qu'on la protège d'autant plus. Alors, c'est la chef de la carte, hein. Oui. Bah, si tu veux, je propose qu'on fasse un petit arrêt, voir. Tu as repéré un endroit ? Oh, je connais un super joli endroit. Spectacle naturel. Écoute, alors ça me plaît. Il y a un point de vue là. Ouais. Ah oui. Tu vois ? Ça ah, fait c'est vraiment très spectaculaire. Une fonte de crêpes là, empilées. Les fameux pancake rocks. Ça fait des petites têtes parfois. T'as dû venir des dizaines de fois toi ici. Ah oui, ouais, mais chaque fois, j'adore. Et puis on voit là, justement la côte qui part vers le sud. Cette forêt qu'on la retrouve vraiment partout, c'est sublime. Est-ce que les couleurs changent un peu en fonction des saisons ou pas? Non, pas du tout. Les arbres ici ne perdent pas le feuille en fait. C'est que la forêt indigène en fait. Mm-hmm. On appelle subtropicale. Bien aussi. Ouais, ça brûle, ouais. Tu vois. Ouais. C'est joli. Il est très beau. Excusez-moi, pouvez-vous nous montrer vos pendentifs, s'il vous plaît? Lequel vous voulez voir? Celui-là. Ok. Comment vous pouvez expliquer qu'il y a différentes couleurs sur le jade? Le jade de Nouvelle-Zélande est fait de différentes couleurs. Mais ce qui le rend unique, c'est ce qu'on appelle le flower jade. C'est ce qui donne ces belles couleurs. Vous pouvez me montrer, oui? Oh là là. Regardez ça, voici un bel exemple de flower jade. Est-ce que c'est difficile à sculpter? C'est une pierre extrêmement dure et pour la sculpter, il faut un équipement en diamant. Tu vois la lumière qui passe à travers. La transparence, c'est une des beautés du jade néo-zélandais. Est-ce que c'est une pierre qui a un pouvoir particulier? Il est connu pour avoir des pouvoirs spéciaux pour soigner et soulager la douleur. Je vois qu'il y a des motifs récurrents dans vos sculptures. Ils ont une signification particulière? D'abord, il y a le kourou, qui représente le début d'une nouvelle vie. D'accord. Ensuite, il y a l'hameçon qui représente la prospérité et ça porte chance, surtout pour ceux qui voyagent sur l'eau. Et celui-là, là ? Et celui-là, c'est un triple kourou qui symbolise un groupe de trois, comme dans une famille. Lequel préfères-tu ? Ah, je sais pas, j'hésite. Ça aussi, on retrouve la pierre, alors, ah, typiquement ouais. D'ici, là. Ben oui. Le flower jade est... Ah oui, oui, oui. Tiens, regarde, il y en a deux identiques. Bon, ben écoute, comme il faut s'offrir le jade, je t'offre celui-là. Tu vois ? Oui, c'est pour toi. Oh, ben merci. Ben, alors, dans ce cas, tiens. Merci. C'est un pêcheur de whitebait. Sûr? Ouais. On regarde son filet. Tu vois? Hello! Bonjour à vous. Belle fin de journée, n'est-ce pas? Yes! Quel étrange filet de pêche! Oui, oui, ça s'appelle un filet à whitebait. Il faut avoir une licence, la taille est réglementée. Et il y a ce grand manche caractéristique.
On peut essayer? Bien sûr. Parce qu'on commence à avoir faim. Voilà, alors c'est assez dur d'utiliser ce type de filet. Tu le places bien au fond. Et ensuite, je contrôle. Oui, exactement. Tu ajustes l'angle du filet et tu restes bien sur le bord. Il faut toujours aller dans ce sens? Oui, ouais, c'est ça. Le courant est dans l'autre sens. C'est ça. Et tu remontes le filet. Rien du tout. Je n'ai rien du tout. Venez par là, venez par là. Ah oui, on n'a pas grand-chose là. Hein. Non, mais patience, patience. Ah oui, on a quelques-uns au milieu des graviers quand même. Et vous, alors, vous aimez les manger comment, ces petits poissons? Je prends deux œufs et je les bats. Parfois, j'ajoute une cuillère de farine pour la consistance et il faut une casserole très chaude. On prend les œufs mélangés et on ajoute les whitebait. Et on mélange. C'est important que la casserole soit bien chaude. Et une fois dedans, c'est prêt en quelques minutes. On mange dans une minute. Ok, bah c'est bien. J'ai mis des œufs. C'est parfait. Voilà, c'est prêt. Super. Tiens. Bah c'est parfait. C'est très bien. Allez, à ta santé, à notre pêche. À la nôtre. Et déjà, un grand merci pour cette première partie de voyage, ouais, parce que mais... c'est génial. Ouais, j'aime beaucoup. Puis, quand on est là, face à ces grands espaces, on est forcément bien. Hein. Oh, elle est pas mal. Hein. Ouais. Les grands espaces néo-zélandais constituent le quotidien de Tim. C'est difficile de ne pas être heureux quand tu voles des jours comme celui-là. Le temps est superbe, il n'y a pas de vent du tout. Ce serait difficile de ne pas aimer son métier. Voler en Nouvelle-Zélande, il n'y a rien de mieux. Les paysages sont incroyables, c'est sans doute un des meilleurs endroits pour ça. Il est 6 h du matin. Et Tim commence sa journée. Il vole depuis 6 ans un peu partout dans le pays. Une passion qui ne le lâche pas et l'emmène à faire toutes sortes de boulots, du tourisme à l'agriculture. On se dirige vers une ferme là-bas qui veut qu'on désherbe aujourd'hui. Ça va être une grosse journée de travail. Tim rêvait de devenir pilote. Et pour lui, il ne pouvait pas en être autrement. Il faut dire qu'en Nouvelle-Zélande, on prend l'hélicoptère comme on prendrait sa voiture. J'avais un oncle qui avait un hélicoptère et il m'emmenait à la pêche et à la chasse avec. C'est ça qui m'a donné l'envie depuis que je suis tout petit. Et ça ne m'a jamais quitté. Au sol, c'est Scott qui organise la journée de Tim. Au programme aujourd'hui, répandre du désherbant sur les parcelles d'une ferme de 34 hectares. Tu prépares les produits chimiques que je puisse y aller? Scott rêve un jour de voler comme Tim. Mais pendant un an, il devra rester au sol. Un apprentissage sur le terrain indispensable. J'aime être dehors et aussi être en contact avec les fermiers. J'aime la solitude de ce métier. Comme Tim le dit, tu fais ton travail seul, concentré. La mission doit être réalisée dans la journée. Une course contre la montre s'engage d'autant plus que la météo peut tout compromettre. Au bureau, la météo, c'est l'affaire de James. Hey Scotty. Salut Scotty, comment ça va? Ça va t'emmener à peu près jusqu'à 14h. Je t'appelle vers 13h de toute façon pour être sûr que le vent ne s'est pas levé et qu'il ne pleut pas. James joue avec les contraintes. Il sait qu'il doit répondre en un minimum de temps à un maximum de commandes au risque de passer à côté d'un marché. La concurrence est rude. Des dizaines de compagnies comme la sienne existent aujourd'hui en Nouvelle-Zélande, une industrie qui s'est développée dans les années 60.
Les hélicoptères sont devenus très populaires grâce aux chasseurs qui les utilisaient pour traquer le gibier. À la suite de ça, beaucoup de jeunes ont eu l'envie de voler. C'est devenu une activité importante et très concurrentielle. Russell est l'un des quatre pilotes de la compagnie. Ingénieur aéronautique, il a volé un peu partout dans le monde avant de revenir chez lui, sur l'île du Sud. La Nouvelle-Zélande a une géographie accidentée, avec des montagnes escarpées et des rivières inaccessibles. L'hélicoptère est un outil parfait pour y accéder. Et en plus, ça te donne une vue d'ensemble incomparable avec ce que tu vois d'en bas. Quand tu commences à voler, tu ne peux plus t'arrêter. Une expérience unique, un goût de bout du monde, c'est ce qu'ont voulu s'offrir Kelvin et Glenys pour le plus beau jour de leur vie. Après un survol de la chaîne de montagnes du Sud, ils se font déposer au milieu de nulle part pour une séance photo à leurs yeux inoubliables. On voulait un hélicoptère pour notre mariage. C'est grisant et excitant pour nous deux. Oui, et en plus tu vois des lieux que tu ne verrais jamais normalement. L'hélicoptère est devenu un engin très familier pour les Néo-Zélandais. Survol de glaciers, pique-nique dans des lieux reculés, dépose sur des terrains de chasse inaccessibles ou ski hors piste, il ouvre les horizons d'une nature sans limite. Chez qui on va, là, l'éleveur de moutons ? On venait ici en vacances, de temps en temps. Ah oui ? Tout droit, et puis il y aura une petite boîte à lettres rouge sur la gauche. Moi, c'est Sophie. Ben. Salut, Ben. Nice to meet you. Hi there, Ben. Comment ça va, Ben? Heureuse de te revoir. Je sens un peu fort. Bon voyage? Yes. Yeah, great. Really nice. C'est magnifique ici. Hein? Oui, ça l'est. C'est ma piscine. Pas mal, pas mal. Allez, on te suit. OK, cool. Thanks, Ben. Tu arrives à avoir de la lavande ici. To help me relax. Ça m'aide à être relax. Et le chat aussi. Salut. C'est Simon. Salut toi. Simon, the fat Simon, le chat obèse. Il est sympa ton chat. He's a champion. C'est un champion. Ok. C'est l'heure des scones. Hello. Bonjour, entrez. Wow, c'est charmant ici. Vous aimez les scones? Yes. Thank you. Ah, t'as pas pris le plus petit. Mais vous n'avez pas de scone en Suède? Si, on en a, mais c'est plus une tradition anglaise, ce n'est pas typiquement suédois. Merci, voilà une bonne chose qui vient d'Angleterre. Tiens, le mien est plus gros. Alors tes journées commencent tôt et finissent tard? Normalement, je donne un coup de main pour les enfants le matin. C'est plutôt intense. Qu'est-ce que tu en penses, Fred? C'est très prenant. Et après, je retrouve mes gars. C'est bien de rassembler les troupeaux le matin, parce qu'il fait encore frais. Et après, je passe mon après-midi au téléphone. C'est juste pas mal d'organisation. Il faut jongler et jongler. Et les vacances, ça existe? Hein? Holiday?
What's it? Nice. Sometimes every 2 years. Tous les deux ans, on doit aller en Suède, visiter la famille. T'es obligé de le faire. Ça fait partie du contrat de mariage. Ok, on pourrait rester assis ici toute la journée. On a plein de choses à faire. Fin de la postée. Petit rosier sauvage. Bon, les filles, on va se séparer là. Vous n'avez pas besoin de venir avec moi là-haut. Je vais monter aussi vite que possible. À tout à l'heure. Ça monte bien, là. Tu le vois ? Et toi ? Bah non, je l'ai un peu perdu aussi. On va le retrouver, hein. Il est celui qui derrière la colline. Tu te rends compte ? Il fait ça tous les jours. Ouais. Il va chercher ses moutons. Ah ! Ah ! Tu les as entendus ? Ouais. C'est les chiens qui font le boulot aussi, hein. Ici, c'est tellement escarpé, tu m'assures. Est-ce que vous pouvez les ramener par là ? Ton troupeau ? Je n'ai que 300 moutons ici. Ils sont destinés à la vente. Ils partent en camion demain. Sophie, tu peux les contourner par là. Vas-y, Sophie. Yep, yep, yep. Youhou ! On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Ok, Sophie, allons-y. Tu dois utiliser tes genoux pour pousser les moutons vers l'avant. Comme ça, ils te sentent et ne reculent pas. Si tu ne le fais pas, c'est eux qui te pousseront. Voilà ce qu'on fait. On regarde les dents. Lui a toujours ses dents de lait, donc c'est bien. C'est encore un agneau. Tu peux faire celui-là pour moi. Dents de lait et le derrière propre. D'accord, donc celui-là, tu le marques, ok. Arrière transal. Celui-là. C'est ok. Ok. Dirty bum. Propre ou sale, celui-là, Sophie? Dirty. Are you sure? Tu es sûr? Non. Il est suffisamment propre. Mais bon, c'est relatif, alors. Ok, très bien. Tu peux checker la bouche? Tu vois une différence? Grande dent. Donc, ça veut dire des grosses dents? Oui, ça veut dire qu'il a au moins un an et qu'il est devenu un mouton. Ça y est. T'es un mouton, mon ch'ti pépère. Donc? Il est pour moi et je vais le manger. D'accord. Bon, bah, écoute, désolé, mon gars. Go. Parle pas français, c'est ça le problème. Ah oui, c'est ça. Allez, c'est ouf, que je dise en français, non? Allez, go! Allez, mouton! So. Ok, après. On a de ce côté les dents de lait et les derrières propres. D'accord. Et là, on a les sales. Ok, alors cela. On va aller les tondre. On nettoie l'arrière-train pour éviter les infections. Donc il faut que tout soit bien propre. Et en général, ça garde les mouches à distance. Tu fais la tonte des moutons de tout ton bétail tout seul ou tu fais appel à des spécialistes ? On fait appel à des spécialistes parce qu'ils sont très rapides. Moi, il me faut 10 à 15 minutes pour tondre un mouton et eux, ça leur prend 40 secondes. Incroyable, 40 secondes. 40 secondes ? Juste un petit test. Je remonte mon pantalon pour pas qu'il tombe. Oh, la tête. Et là, il se dit, bon, bah d'accord. Ok, j'y vais. Il est lourd, c'est un bon.
Le plus embêtant avec les Mérinos, c'est qu'ils ont de longues cornes. Fais attention. Des performances physiques dignes d'athlètes de haut niveau. Ils sont des centaines à participer aux compétitions de tonte de moutons qui ont lieu presque tous les week-ends à travers le pays. La tonte est un sport national et la Nouvelle-Zélande s'y prête bien avec environ 8 moutons pour un habitant. Ces tondeurs professionnels rêveraient de voir leur discipline consacrée aux Jeux Olympiques. Tout le monde peut tondre un mouton, mais descendre sous la barre des 30 secondes, cela demande de l'expérience. La compétition, c'est bien, ça te permet de t'améliorer. Il y a 3 ans, j'ai battu le record de tonte. J'ai dépassé le million de moutons. Mon temps le plus rapide, c'est 29 secondes. Il y en a qui sont bien meilleurs que moi. Francine Murray est à l'initiative de cette journée de fête dans le village de Springfield. Très bien, maintenant vous allez siffler tous ensemble. Une journée particulière, puisqu'il s'agit pour elle de faire revivre une tradition depuis longtemps oubliée, celle des grands rassemblements de bergers qui marquaient la fin de la transhumance. Les gens venaient d'un peu partout. C'était un rassemblement d'amis, de gens du cru qui se retrouvaient pour s'amuser et profiter. Beaucoup de ces gens passaient 6 mois dans la campagne avec le bétail, coupés du monde. Ces rassemblements étaient une forme d'exutoire pour eux. Francine y tient. Les générations futures doivent maintenir la tradition. Zoé, premier prix. Zoé, tu vas chercher ton prix ? Il faut beaucoup s'entraîner pour savoir siffler. Une fois que tu as le coup de main, tu peux siffler de plus en plus fort. Comme ça ? On l'utilise pour diriger les chiens. Parce que si tu siffles avec un sifflet, alors le chien peut t'entendre de vraiment loin et ça t'évite de crier. Reste ici. Reste ici, Spur. Aujourd'hui, à Springfield, c'est l'occasion pour les éleveurs d'entraîner leurs chiens pendant une épreuve de travail. Ça ne fait que 6 mois que je l'ai. On a encore du travail pour s'accorder. Ce qu'il faut, c'est un chien qui est proche de son maître et qui a de l'expérience avec le bétail. Normalement, vers l'âge de 12 ans, il commence à être prometteur. Les chiens doivent être capables de rassembler les moutons sans l'aide de personne. Les chiens sont jugés sur leur habileté et leur capacité à rassembler le troupeau sous les ordres de leur maître. Ces compétitions ont vraiment du succès. En plus, elles attirent de plus en plus de jeunes. Beaucoup de gens disent que c'est un des sports qui contribue le plus à faire tourner l'économie néo-zélandaise. C'est sans doute vrai, car sans les chiens, vu l'environnement, ce ne serait pas possible de travailler ici. Viens par ici. Sois pas timide, allez. En coulisses, Francine s'active. Le clou de la journée, c'est elle qui l'a trouvé. Un mouton ermite qui s'est caché des humains pendant 7 ans. Au départ, un mouton normal qui, depuis qu'il est descendu de sa montagne, est devenu une personnalité incontournable de la région. C'est la star du jour. La presse en a beaucoup parlé et maintenant c'est une vraie célébrité. Il s'appelle Horace. Enfin, jusqu'à ce qu'on révèle de quel sexe il est. Horace a une toison impressionnante, une toison qui vaut de l'or. Puisqu'une fois tondue, sa laine sera vendue aux enchères. On sait maintenant que c'est une femelle. C'est assez inhabituel parce que normalement, les femelles ne vivent pas en ermite. Elles cherchent à s'accoupler. Ouais.
La laine est très belle, ce qui est surprenant puisqu'elle n'a pas été tondue depuis 7 ans et que l'environnement dans lequel elle vivait était plutôt rude. Qu'elle ait survécu dans un environnement si dur, c'est vraiment incroyable. Elle pèse combien? Combien? 22? Allez les gars, combien? 26. Eh bien, c'est 22. La laine sera finalement vendue 1890 euros. Quant à Horace, devenue Orietta la brebis, elle se destine à de belles années. Francine a déjà tout prévu. Orietta va rencontrer un bélier surnommé Johnny Depp et ensemble, ils vont promouvoir l'industrie du mouton à travers le pays. La première chose que je fais, c'est tirer un bout de laine, comme cela. Celui-ci n'est pas résistant, il se casse facilement. Et il n'a pas beaucoup de valeur. Il va certainement perdre 50% de sa valeur, parce qu'il est cassant. C'est la première chose que je regarde. Qu'est-ce qui explique ça, la résistance de la laine? Ce bout-là a poussé sur 12 mois. Et si tu le regardes à partir du bas, là, il y a octobre, novembre, décembre, janvier, février. Au milieu du morceau, il y a donc 6 mois. Il est plus fragile, juste au milieu. Et la raison, c'est certainement le manque de nourriture. Ou peut-être une naissance stressante. Tu peux apprendre beaucoup en regardant et en étudiant la laine. J'ai une vraie passion pour la laine, j'adore ça. Et la chose difficile pour classer la laine, c'est de ressentir la douceur de la laine. En général, j'arrive à reconnaître la laine très douce. Mais si je n'y arrive pas directement, je la pose sur ma joue comme ça. Ou je soulève toute la laine comme ça. Et tous les gens qui sont là se moquent de moi. Mais au moins, ils savent que la laine est douce, très douce. Ça sent bon, hein? Alors, ce que nous avons là, c'est de l'épaule de mérinos. Ce qui plaît beaucoup dans la viande de mouton mérinos, c'est qu'elle est excellente. Maigre, c'est une viande très onctueuse. On pense qu'elle a la saveur de nos prés, là où nos moutons paissent. Un chef m'a dit un jour, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de cuisiner la viande en enlevant les os. Ça ressemble à de la poitrine de porc. La viande à l'intérieur est succulente et l'extérieur est tellement croustillant. Santé. 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 Oh, c'est ce que tu as essayé de m'apprendre. Et en school. 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 It's very close to scan. Yeah, no. Yeah, that's true. D'accord, ou un... Alors, la sauce à la menthe, ça doit être ça. Je profite de mon dîner avec mes nouveaux amis kiwis et je vous laisse vous envoler pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, car c'est le moment de retrouver notre route mythique. Vous le savez, les routes mythiques d'Échappée Belle, ce sont ces documentaires que nous découvrons chaque semaine sous forme de feuilleton. Et grâce au réalisateur voyageur Laurent Bouy, nous allons faire aujourd'hui la connaissance des Papous des mers. Je vous retrouve tout à l'heure dans 15 minutes environ. Dans la province de Milne-Baie, j'ai découvert le mode de vie des Papous des mers. Des pêcheurs et navigateurs hors pair qui célèbrent leur culture une fois dans l'année en organisant le Kundu Festival d'Alotao. Retour obligé en avion pour quitter Milne-Baie et rejoindre le fleuve Sepik, au niveau de Pagui. C'est là que j'embarque sur une pirogue à destination des villages du fleuve. 6 cartons d'eau. 10 cornets de bœuf et 4 bouteilles d'huile. Ici, tu trouves de tout, du fuel, des outils, de quoi manger. On est le principal fournisseur du Sepik. Plus loin sur le fleuve, tu ne trouveras plus grand-chose. À Pagui,
Je comprends vite qu'un voyage sur le Sepik ne s'improvise pas. Il faut tout emporter, être autonome et avoir un bon équipage. Le fleuve Sepik, c'est plus de 1000 km de méandre à travers les basses terres. Un immense labyrinthe marécageux où les moustiques sont rois et les conditions de vie éprouvantes. Mais le Sepik, c'est surtout la région la plus intrigante de Nouvelle-Guinée. Car sur les berges de ce fleuve, les populations ont développé une culture unique, centrée sur les relations complexes qu'entretiennent les hommes et leur environnement. Ici, on a beaucoup d'amour pour ce qu'on appelle notre enfant, le Sepik. On vit au bord du fleuve, on s'y lave, on boit son eau. On aime beaucoup vivre sur ce fleuve, parce que notre vie y est très facile. Je suis sur le territoire des Yatmoul, ceux qu'on appelle aussi les hommes crocodiles. Des hommes fiers de leur culture. Je m'appelle Albert Lumut. Je viens de Kanganamoun. Je suis né ici. Quand j'ai eu 23 ans, je suis rentré dans la maison des esprits pour me faire scarifier. C'est là que j'ai appris toutes les coutumes et notre culture. Ensuite seulement, j'ai quitté le village pour aller voir la ville. C'est à ce moment-là que je suis devenu guide sur le Sepik. Albert connaît le fleuve comme sa poche. Pour les non-initiés, impossible de se repérer à travers ce dédale de bras et de marécages. Depuis des semaines, il a beaucoup plu et l'eau est haute. Une eau marron chargée en sédiments. Malgré les apparences, cette eau est extrêmement pure. Il n'y a aucune ville sur le Sepik, aucune industrie, et la zone est écologiquement intacte. Un sanctuaire pour les oiseaux et une aubaine pour les femmes Yatmoul qui pêchent et annoncent souvent la proximité d'un village. Albert m'emmène dans le village de Marengue. Comme souvent au bord du Sepik, les maisons sur pilotis sont alignées le long d'une grande allée centrale. Au centre du village, c'est l'effervescence. Tous les hommes s'affairent sur le chantier de la nouvelle maison des esprits. Les maisons des esprits sont indissociables de la culture du Sepik et ont largement participé à sa renommée. Elles font office de temple et abritent la vie spirituelle du village. On en est au début de la construction. Mais quand on aura fini, ce sera une grande maison avec un étage et un grand toit. C'est un long travail. Cette maison des esprits sera la troisième dans l'histoire de notre village. La toute première a brûlé et la deuxième a été bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Depuis, on n'avait plus de grande maison et aujourd'hui, on l'a reconstruit enfin. Sur le Sepik, la construction d'une maison des esprits est un événement rare qui mobilise tout le village. Pour les enfants, c'est une fête à ne pas louper. La technique de construction est simple et ne nécessite aucun outil particulier, si ce n'est la force humaine. On a appelé tous les anciens des villages alentours pour savoir comment il fallait faire. D'abord, il faut planter les poteaux dans la terre. Et ensuite, on peut poser les troncs d'arbres dessus. On les met en travers entre les poteaux.
Pour faire nos maisons, on procède de la même manière, avec des piliers et des troncs d'arbres par-dessus. Et tous les hommes du village s'y mettent également. Les travaux de la future grande maison des esprits de Marengue sont rythmés par les Sing Sing, les danses rituelles qui s'effectuent au son des flûtes caractéristiques du sépik. Les danseurs entrent et sortent de la maison des esprits actuelle, une maison provisoire, mais dans laquelle toutes les règles traditionnelles s'appliquent. Pour y pénétrer, il faut être initié, c'est-à-dire scarifié. Seuls les étrangers peuvent s'asseoir dans la maison en qualité d'invité, sans avoir la peau scarifiée. Je voudrais dire merci à ceux qui sont venus nous aider de Palembe. Merci aussi à ceux de Kanganamoun qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Ensemble, nous allons continuer le travail demain et les autres jours ici à Marengue. C'est pourquoi nous vous disons merci. Dans la maison des esprits, seuls les hommes peuvent venir. Les femmes ne peuvent pas y rentrer. On s'y réunit pour discuter du travail à faire, des conflits, et on prend les décisions en posant les baguettes sur la chaise. C'est comme ça qu'on arrive à se mettre tous d'accord. Mais si on veut garder nos traditions, il faut que les hommes gardent ce pouvoir et qu'ils restent forts. Au petit matin, le village se réveille au son du garamout, le tambour rituel qui rythme les journées. C'est le signal du départ. Sur les berges, la vie surgit par petites touches, et sur l'eau, les rencontres sont rares. Les maisons sont posées par petits groupes sur le talus, puis plus rien pendant des kilomètres. De toute évidence, c'est encore la nature qui commande sur le sépik. Pourtant, les hommes se sont autorisés quelques écarts dans le grand jeu qui les oppose aux éléments. Ici, le sépik se sépare en deux. On va prendre par là, à travers ce canal. Certains de ces canaux ont été construits par nos ancêtres. Ils les creusaient quand ils partaient faire la guerre et pouvaient ainsi surprendre nos ennemis. Depuis, ça nous sert de raccourci quand l'eau est haute. Ce canal appartient à mon village, Kanganamoun. La région de Kanganamoun, c'est l'épicentre de la culture du sépik, le berceau des hommes crocodiles. Pour devenir un homme crocodile, il faut se faire initier, c'est-à-dire scarifier. Les jeunes adultes rentrent alors dans la maison des esprits pour de longues semaines. Après une préparation adéquate, on leur coupe la peau avec des lames de rasoir. Leur corps est enduit avec de la terre et de l'huile pour que les cicatrices gonflent et prennent l'aspect des écailles du crocodile. C'est à ce prix que les jeunes garçons deviennent des hommes. Dans le village de Yetchen, la peau des garçons vient d'être coupée. C'était il y a 3 jours. Au départ, on était content de rentrer dans la maison des esprits. Et puis, il y a eu les chants et les danses pour annoncer la cérémonie de scarification.
Là, on a commencé à avoir peur. Mais à ce moment-là, on n'a plus le choix. Et on sait qu'on doit aller au bout du processus. On sait à l'avance que ça va faire très mal, que notre sang va couler, qu'il va falloir nettoyer nos plaies et que tout ça va nous faire souffrir. Mais c'est notre coutume. Ensuite seulement, on sera des hommes. On saura comment faire dans la vie, comment gérer nos affaires, comment se comporter, comment éviter les problèmes. Cette maison sert à nous enseigner la vie. Ici, les hommes ont les mêmes marques que le crocodile sur leur peau. C'est très important pour nous d'avoir ces marques pour ressembler au crocodile. Où que tu ailles en Papouasie, tu verras qu'on nous appelle les hommes crocodiles. C'est ça notre identité. Nous venons du Sépik, donc nous sommes des hommes crocodiles. Ok, on a assez de branches maintenant. Prenez-les toutes et on va aller faire le barrage pour attraper le crocodile. On a regardé là-bas derrière et on n'a pas trouvé le crocodile. Alors on a mis un barrage pour qu'il ne puisse pas s'échapper. On est sûr qu'il est dans le coin, peut-être dans ces herbes. Mais il ne peut plus nous échapper et on va le trouver. Allez, on y va. Les Yatmoul repèrent à l'avance les crocodiles qui sont coincés dans les trous d'eau. Ils les chassent alors la nuit, avec des lampes, ou le jour en les cherchant à main nue. Une corde, vite, une corde! Les crocodiles visés sont de petite taille. Leur peau a alors plus de valeur, et leur chasse est moins dangereuse. Voilà, c'est fini. On va le ramener à la maison des esprits, le dépecer et on mettra sa chair dans les bambous pour le faire cuire et le manger. Les rapports qu'entretiennent les hommes avec le crocodile structurent toute la spiritualité du Sépik. La maison des esprits de Kanganamoun, le village d'Albert, est un des hauts lieux de cette pensée animiste. Mais ces hommes savent bien que leurs traditions sont en sursis. Car depuis près d'un siècle, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est devenue le terrain de jeu favori des missionnaires de toutes sortes. Les traditions des Blancs, moi, je ne veux pas y croire. D'après moi, depuis que la religion est arrivée, elle a détruit toutes nos coutumes et on a perdu tous nos repères. Et aujourd'hui, on est en train de devenir fous. À mon avis, dans 10 ou 20 ans, nos coutumes qui viennent du fleuve auront disparu et on deviendra tous fous. Quand les anciens seront tous morts, la religion prendra définitivement le dessus et on se transformera tous en blancs. Albert pose la question du droit à la différence dans un monde dominé par les grandes religions monothéistes. Comme les derniers Indiens d'Amazonie, comme les Pygmées du Congo, les hommes crocodiles du Sépik luttent pour ne pas disparaître. Avec plaisir. Ouais. Ouais. Tu veux aller voir un glacier? Ah, j'aimerais beaucoup. De très très près. Hein. Très très près. Ouais. Alors très très près, je suis pour. On va même marcher dessus si on veut. Bonjour. Comment
Comment allez-vous? Nous aimerions aller sur le glacier Franz Josef. C'est possible? Oui, bien sûr. Il y a un tour qui part d'ici dans quelques minutes. D'abord, on va fournir tout l'équipement dont vous avez besoin. Des chaussettes en laine, chaussures, crampons, casques, tout ce dont vous avez besoin. Richard sera votre guide. Vous pourrez explorer le glacier et escalader des murs de glace. Et au fur et à mesure de la journée, vous pourrez essayer des murs plus difficiles. C'est nous, là, sur la photo. Moi, je serai en bas. Bien en mitouflé, bien sûr. À la fin de la journée, on va être expert. Je pense qu'on va bien dormir ce soir aussi, surtout. Demain. Yes, demain. Demain, le Mont Cook. Il a des grandes jambes, Richard, il marche vite, lui. Je sais pas si je vais réussir à le suivre. Hein. Ah, si. Il a des aérations sur le côté dans son pantalon. Le piolet, il a tout ce qu'il faut. T'as vu la bouteille dans la chaussure aussi? Ouais, comme ça. On va prendre un petit raccourci par les bois. Regarde, Sally, voilà le glacier. Ah oui, c'est sublime. On va aller là-haut? On va tout là-haut, nous? Richard, quelle est l'altitude maximum, là? Le glacier culmine à environ 2600 mètres pour la partie la plus haute. Et ici, nous sommes à 2100 mètres. Toi, depuis que tu es ici, tu l'as vu bouger, le glacier? Je ne travaille sur le glacier que depuis un an et demi. Mais durant les 10 dernières années, il y a eu des changements dramatiques et j'ai pu constater ça depuis que je suis ici. Il y a 100 ans, le glacier arrivait au-dessus de ce rocher. C'était recouvert jusqu'ici. On explique souvent le recul des glaciers à cause du réchauffement climatique. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il y a d'autres explications ou pas? Oui, je pense que c'est le cas pour certains glaciers dans le monde. Mais pour ce glacier, on ne peut pas vraiment dire que c'est le réchauffement climatique qui est en cause. Mais c'est normal qu'il recule ou avance sur de courtes périodes, sur des cycles courts. Le glacier est trop jeune pour avoir le recul nécessaire et mettre en cause le réchauffement climatique. Les Maoris appellent le glacier Karomaita Oineukatere, qui signifie les larmes de Ieroukatere. C'est l'histoire d'une jeune femme qui aimait un homme, mais aussi la montagne. Et un jour, son fiancé l'a suivi dans la montagne pour se promener ensemble. Il est tombé, il est mort. Et les dieux ont décidé de transformer ses larmes en glace. C'est une belle grotte, hein? Quelle est l'épaisseur de la glace, là? Les parois mesurent entre 5 et 6 mètres, et la glace est très dure. On appelle cette cave un moulin? Un moulin? Oui, c'est ça. Il a été formé par l'eau. L'eau tombe et forme une spirale. Et ensuite, le vent creuse la grotte et l'élargit au fur et à mesure. J'envoie la corde. Ce qu'on va faire, c'est apprendre les techniques de base de l'escalade sur glace.
Donc dans cette discipline, tout repose sur le placement des pieds. Tu te diriges avec les jambes et tu ne ressentiras pas le poids. Il faut juste faire des pas de bébé, des tout petits pas, ok? Donc il faut aller chercher en haut. Je garde mon bras bien droit et je mets toute ma force pour planter le piolet. Bien droit. Et je plante l'autre après. Il ne faut pas couper la corde. Hein. Non, vaut mieux pas, t'as raison. Mais ouais. Non, c'est pas haut. Tout va bien. Les jambes un peu écartées. Ça va? Très bien, ça va très bien. Ouais. Je vais aller jusqu'au sommet du glacier, moi. Je suis prête, là. Bravo. Tu vois, tu me dis bravo. Tu veux porter la poisse. Fais des plus petits pas. Youhou, je suis au sommet. Bravo, Sophie. C'est magnifique. Good stuff, it's perfect. Wouh, c'est génial. Super. C'est une bonne idée, je trouve, qu'on a eue, de faire de l'escalade sur le glacier. Bon, de toute façon, on vient en Nouvelle-Zélande pour pratiquer les sports extrêmes. T'es c'est d'accord ça. Avec moi? Exact. Hein? Bon, bah, ça en fait partie, ça. Ces reliefs exceptionnels et ces paysages contrastés ont fait de la région la mecque des sports extrêmes. Et Queenstown en est la capitale. Dans les airs, sur terre et sur l'eau, tout est bon pour faire monter l'adrénaline. Les amateurs de sensations fortes convergent tous vers la ville. Chetan a 14 ans et pour lui, sauter à l'élastique, c'est un rêve depuis toujours. Ça a l'air très haut. Je ne sais même pas combien de mètres ça fait, mais ça a l'air amusant. T'as la pression, hein? Le cœur qui s'accélère, non? C'est bon signe. Ça veut dire que tu vas aimer. Un saut de 43 mètres et quelques secondes de plaisir. C'est terrifiant. Quand tu tombes, c'est comme si t'allais jamais t'arrêter, jusqu'à ce que l'élastique te tire vers le haut. Recommencer? Peut-être, mais dans 5 ans. Faut me laisser un peu le temps de m'en remettre. C'est ici, sur ce pont, que tout a commencé. Enfin, presque. En juin 1987, une image a fait le tour du monde. C'est celle de deux Néo-Zélandais, inventeurs du saut à l'élastique, qui se jettent du haut de la Tour Eiffel. Un gros coup de pub. Ils sont aujourd'hui à la tête d'une des plus grosses entreprises néo-zélandaises de sports extrêmes, propulsant Queenstown sur la scène internationale. Sa situation géographique privilégiée en a fait un terrain de jeu grandeur nature. Je suis à Queenstown pour le mode de vie qu'il y a ici, et pour le vélo bien sûr. Au départ, je suis venu pour le ski, il y a 10 ans. Il y a toutes les activités sportives dont je pourrais rêver juste là sur le pas de ma porte. Il y a toujours quelque chose à faire, tu peux pas t'ennuyer, si tu aimes les sports extrêmes, bien sûr. La ville draine 1,5 million de touristes par an. Le tourisme d'aventure rime aujourd'hui avec industrie. Chris vient d'Auckland, il voulait travailler tout en s'amusant. C'est mon bureau. Je me lève tous les matins et je vais travailler sur la rivière. C'est génial de bosser ici. C'est facile de trouver du travail ici. Si tu corresponds au poste et que tu es travailleur, il suffit d'être motivé et là, c'est génial. Alors, pour continuer à se développer, toutes les innovations sont bonnes. Shotover a investi dans des bateaux ultra-puissants propulsés par une turbine similaire à celle des avions à réaction. Pour 75 euros, les amateurs de sensations fortes rasent les falaises à plus de 85 km par heure. Frisson garanti. Et surtout, une belle pirouette pour l'entreprise créée en 1970 qui fait aujourd'hui ses 3 millions de visiteurs.
escaladé le glacier. Maintenant, on va l'admirer d'en haut. Oui, regarde un petit ciel bleu pour nous. Il y a quelques nuages quand même. On va voir Mount Cook. Bienvenue à bord, Sophie et Sally. C'est parti pour voir le Fox Glacier. Ça, on va la voir, hein. On va tous les rouleaux, Sally. La longueur du glacier Fox, du haut jusqu'en bas, est de 13,5 km. Incroyable. Tu vois Mount Cook, Sophie? Alors, il est où? C'est en face de nous? Oui. Le Mount Cook est juste à droite, là, en forme de dent de requin. Quand on le regarde par le versant nord. Toi, Lewis, ça fait combien de temps que tu as la chance de survoler ces glaciers? Moi, ça fait 7 ans que je pilote ici. Cela m'empêchait de travailler à l'école. Parce que je n'arrêtais pas de regarder les hélicos voler à travers la fenêtre et je n'arrivais pas à faire mes devoirs. Là, Sally, on est quand même en train de vivre un moment exceptionnel. C'est incroyable. Parfois, en haut de glaciers comme celui-ci, des crevasses peuvent être invisibles. Elles sont recouvertes par des ponts de neige. C'est pour ça que je vous ai suivi sur le chemin. Si vous étiez tombé, eh bien moi, c'était bon. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Mon voyage se termine ici. Quel magnifique décor, d'ailleurs, pour terminer ces belles aventures en Nouvelle-Zélande. Un des plus beaux souvenirs, je crois que ce sera ça, d'avoir eu la chance de toucher cette neige. Des fois, les Néo-Zélandais et les Français s'affrontent sur les terrains de rugby, mais grâce à toi, je peux te dire que l'amitié franco-néo-zélandaise existe. Je t'embrasse parce que c'est... Bah ouais, c'est un bonheur. Le moyen néo-zélandais, en plus. C'est vraiment un bonheur de faire ta connaissance. Bah, tu as illuminé ce voyage. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir amenés ici sur le toit du monde. Je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt et comme d'habitude, faites de beaux voyages. Bye bye.